fait le point sur sa campagne électorale lors d'une conférence de presse ce matin à Grande-Rivière Nord-Ouest. Ce parti aligne ses candidats, dont 46% sont des femmes, dans les 20 circonscriptions du pays. Claudette Geoffroy, Galivado. Selon les membres de la LIT, la campagne du parti en vue des élections du 7 novembre se déroule selon leurs moyens. Le parti a aligné des candidats dont 46% sont des femmes dans les 20 circonscriptions. Dans la LIT, nous avons une tradition pour distribuer le dans plusieurs lagos, depuis 6h du matin, élection par élection. Donc c'est une façon que nous soyons un petit monde qui nous connaît. Et aussi, nous avons une website, www.lalitmauritius.org. Pour cette élection-là aussi, nous avons une innovation, nous avons une page Facebook qui nous appartient avant. Selon la LIT, les élections 2019 sont imprévisibles avec les partis traditionnels et de nouvelles formations politiques. Le parti estime aussi qu'il y aura une coalition post-électorale.